Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de V Rising. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour comment ça s'appelle? Changer de place, enfin téléporter un château, d'accord? Ici, voilà. Moi, mon château est ici. Le deuxième château que j'ai fait, je vais le téléporter ici. Si vous vous souvenez bien, hop, moi je l'avais mis ici, je crois. Vous voyez, il n'y est plus. Je le remettrai sûrement à cet endroit-là, qui est beaucoup plus pratique par rapport au téléporteur. Pourquoi? Parce que je voulais farmer cette zone-là. Mais il s'avère que c'est pas cette zone-là qu'il faut farmer actuellement. C'est cette zone-là. Cette zone-là est super intéressante. Par contre, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas d'endroit où mettre un château. Donc, moi, je l'ai téléporté ici. Donc, j'ai tout simplement fait un carré, tout simple. Ça sert à rien, avec une fonderie et une scierie, c'est tout, rien d'autre. Il n'y a besoin de rien d'autre. Et ensuite, beaucoup de coffres. Et donc j'ai farmé, à savoir que de là à là, il y a 400 mètres, à peu près. 500 mètres, bon un petit peu plus si on va plus dans le fond. Mais moi je farme en général les ponts qui sont là. Des fois je vais à celui-là. Et d'ailleurs, j'ai farmé comme un cochon d'ailleurs. J'ai trouvé des objets intéressants, j'ai trouvé des coffres dorés, donc ça donne des choses vraiment très intéressantes. Et beaucoup de livres. Mais bon, on va voir ça juste après. Pour le moment, je peux pas te téléporter parce qu'il y a un temps. Il y a un temps d'attente entre chaque téléportation. Je sais qu'actuellement, il doit rester à peu près 2 heures, donc je peux pas le téléporter maintenant. Mais bon, hein, les vidéos, on peut les couper. Donc, vous, ça fera pas de différence. Bref. Et donc ma technique, ça va être toute si ma technique est toute simple. C'est, je mets mon château dans une zone ou près d'une zone que je farme. Je farme, je farme, je farme, je remplis les coffres qui sont déjà bien pleins. Une fois que je juge que c'est suffisant, donc je vais dans mon château, je vide mon inventaire, je prends le téléporteur, je viens dans mon château. Je me téléporte. Ensuite, je viens dans cette zone-là, juste ici. Je nettoie. Je pose une pierre de téléportation. Je téléporte. Et puis après, bah écoutez, je fais les transferts, tout simplement. Je transfère tout, 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 tout. Je re-remplis mes coffres ici. Tac. Et normalement, ça fonctionne puisque tout ce que j'avais farmé ici, là. S'est retrouvé là. Donc normalement ça fonctionne. Je sais pas s'il y a des pertes, j'en sais rien, mais pour moi non. Mais ouais non, je vois pas l'intérêt de faire en sorte qu'il y ait des pertes. Donc voilà l'organisation, ce qui va me permettre de pouvoir. Bon voilà, vous avez compris le principe. Hein, ce qu'on m'avait dit dans les commentaires que ce que je faisais, ça servait à rien de décorer un château, que c'était inutile, qu'il fallait le déplacer, etc., etc. Hein, bah écoutez, voilà la solution. C'est comme ça, on peut faire 2 châteaux. Donc comme quoi, cette personne racontait n'importe quoi. Bref, c'est un autre sujet. C'était Tonton Ronchon. Si vous vous rappelez, j'avais dit que je l'appellerais comme ça. Bref, 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 je me disperse. Donc, sur mon farming, j'ai découvert beaucoup de choses. On va commencer par ça. Tac. J'ai découvert ces pierres-là. Dans les coffres dorés. Vous voyez, par exemple, la Nova de glace, bah, du coup, je vais sûrement la réutiliser. La Nova confère un bouclier à vos alliés et à vous-même. Ce bouclier vous protège à hauteur de 77% de votre puissance magique. Ça, c'est pas mal. Augmente la portée de 18% et réduit le temps de recharge de 10%. C'est plutôt pas mal. J'aurais préféré quelque chose basé sur les dégâts, mais bon. Ici, la fontaine de sang, le coup initial applique drain. L'impact
de l'éruption inflige 25% de dégâts supplémentaires et l'impact de l'éruption augmente la vitesse de déplacement de l'allié ciblé de 18% pendant 3 secondes. Alors ce sort-là, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Est-ce que je l'ai pris ou pas pris, je sais plus. Non, je l'ai pas pris. Non, j'ai pris celui à la place. Bon, c'est pas grave. Je pense que moi, je vais reprendre ce sort-là à la place... Ah, celui-là est trop bien. Il invoque des squelettes qui occupent les adversaires. Donc, je dirais peut-être à la place de ça. Le bouclier, je sais pas s'il faut le mettre, faut utiliser sur nous-mêmes ou est-ce que c'est automatiquement quand on l'utilise. Je sais pas. Donc, on va mettre ça là. On va récupérer cette pierre. Non, c'est là. Et on va la mettre là. Parfait. Il est là. Voilà. Donc ouais, pas mal. Pas mal. Durée de lancement 0,4 secondes. Temps de récupération 9 secondes. Ok. Non, c'est pas ça. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Non, bah. Maintenez Alt gauche pour afficher la statistique possible. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et, alors, chose intéressante, j'ai looté plein de bouquins. Et oui, quand on farme beaucoup, on loot plein de bouquins. On va regarder ce que ça débloque. J'ai 190 comme ça. Parce que j'avoue que je sais pas. Ah, alors déjà l'arc. C'est top. La masse. Ok. Les bottes de chasseur de sang. Ah, c'est cool ça. Il manquerait les gants. Et ça c'est quoi? Assortiment de casier de stockage. D'accord. J'ai rien d'autre? Bah apparemment non. Lanterne suspendue. Et bannière. Ah, j'aurais préféré les gants, mais bon c'est pas grave. Ok, des bannières ça peut être sympa. Et lanterne suspendue ça peut être sympa aussi. Assortiment de casier de stockage. Donc tout ça, c'est des choses que je connais déjà. D'accord. Bon, c'est dommage. On va aller... on va récupérer des parchemins. Hop. On va peut-être pouvoir apprendre autre chose. On va regarder du coup... Alors, B. Production, stockage. Ah ouais. 35. Là, je pouvais mettre 21. Et là, c'est 35. Ah, c'est carrément mieux. 8 planches et 4 lingots de fer. Ah. Va falloir que je remplace tous mes coffres. Quoi qu'ils sont loin d'être pleins. Ce serait peut-être mieux de remplir les coffres de farm qui se remplissent super vite. Parce que ceux-là, on va pas dire qu'ils se remplissent rapidement. Hein. Depuis le début, je l'ai, celui-là, vous voyez. Il se remplit pas, j'ai aucun coffre qui est rempli. Ça, ça serait plus à changer dès qu'ils sont pleins, en fait. Ok. Donc là... Hop. On est reparti là-dessus. Ok. Non, c'est pas là. Je sais plus ce qu'il faut pour faire l'équipement. Qu'est-ce que tu vas m'apporter, toi?
Donc moi, on est d'accord que je suis parti sur chasseur de sang. Les bottes. Donc. Ah oui, j'ai les anciennes bottes. Ah. Donc il me faut 3 lingots de fer et 6 cuirs épais. Bon, ça va m'aider, ça. Hop. Et est-ce que j'ai la version améliorée par contre? C'est celui-là que je l'ai débloqué, que j'ai débloqué. Hein, je sais pas en fait. Ça par contre. Oui, je suis pas sûr. C'est parti. Déjà, de toute façon, là, j'améliore mon équipement. Mais non, de toute façon, je les ai pas en amélioré, ceux-là. 61. Cool. 109. Je suis à 642 points de vie. Ça, c'est bien, ça. Il me manquerait les gants. Et donc, j'ai gagné un niveau d'équipement. Et si je pouvais réduire mes dégâts de 5%, ça serait pas mal, hein. Ouais. Ok. Tac. On va les regarder. Est-ce que je vais avoir un pourcentage de chance de débloquer les gants? Ah, 5 près, je pouvais en faire 2. Bon, c'est pas... Allez, les gants, on y croit, on y croit, on y croit. Eh ben non. Non, non, on a débloqué une collection de tables. Bon, tant pis. Ouais, je pourrais en fabriquer ici. Le problème, c'est... C'est ça, ça coûte cher, ça. Alors, il faut que je répare mon bijou. Il me faut 8 comme ça. Bien. Ouais, je me suis compliqué la vie tout seul, là. Hop. Il me faut ça. Le reste, on va dire que c'est encore bon. 7 verres et 28 poussières de gemmes. Purée. Le 28 poussières de gemmes. Je vais regarder aussi pour me refaire du sang. Hop, parce que Pépère, normalement, il a récupéré toute sa vie. Waouh! Ah ouais, là, ça y est retiré pas mal, là. On va le nourrir. Hop, c'est bon. Pop, 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 pop. As good as new. Un pec. Ok. Hop. Ça, je vais le mettre là. J'ai mes potions et tout, c'est bon. Bon, très bien. Alors, à présent, on va faire le boss ici. Je viens de le faire, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi et je me suis fait massacrer en 2 secondes, mais vraiment parce que j'ai fait n'importe quoi.
Donc on y retourne, j'espère, un peu plus proprement. Quoique moi je suis plutôt bourrin, donc je m'en fous un peu des strates des fois, mais bon. Bref, allez, on essaye d'y aller. I will bring safety to the people by any means necessary. Aïe. Je n'ai pas son le combat contre lui en tout cas. Ah ouais, c'est vrai. Invoque ses petits copains. C'est son date qu'il faut tuer qui me gêne là. Je fais n'importe quoi. Voilà. Aïe 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 aïe. Ah ouais, mais en fait il invoque constamment quelqu'un. Here's an old trick. Aïe 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 aïe. Ah oui, bah ça va, c'est facile si tu peux traverser les murs, c'est bien. From my veins, I rejuvenate. To me. Ah, j'avais pas vu les orbes ici. On invoque un deuxième. Par contre, pendant il y a le soleil, ça c'est pas. Ça m'aide pas ça. Here's an old trick. Qu'est-ce qu'il est? Oh, on l'a eu. We had a good run. Oh purée, il était dur. Mais c'est pas beaucoup plus long que ça. New knowledge acquired. Eh ben dites donc. Combat bien chiant, hein. Bon bah tonton Ronchon, je sais pas ce que t'en penses, mais... J'en ai chié, mais je l'ai battu. Allez. On récupère tout ça. Malheureusement, je vais pas pouvoir me téléporter. Voilà, donc il va falloir que je rentre à la base comme ça. Par contre, on va voir ce que monsieur nous a débloqué. La forge ancestrale, pas mal. Ah, il faut des alliages de radium et ça, je sais pas encore les faire. Des entrées de château large. Ah. Est-ce que vous pouvez me laisser respirer 2 secondes? Et réserve d'équipement. Ah, ça peut être pas mal, ça.
Réserve d'armes, d'armure, réserve de joyaux. Ah bah voilà, ça c'est cool. Et un point de sort tempête. Alors, voyons voir. Ah. Tournez sur vous-même pour gagner une célérité fugace de 100%. Vous foudroyez les ennemis proches pour leur infliger 800% de dégâts magiques et leur appliquer électrocution pendant 3 secondes et demie. Vous lancez occasionnellement des éclairs qui infligent 40% de dégâts magiques et appliquez électrocution. Pas mal, hein. Foncez vers l'avant et virevoltez au milieu des ennemis proches pour leur infliger un total de 525 points de dégâts magiques répartis sur les cibles à l'intérieur de la zone pendant 3 secondes. Eh oui. Ah, évidemment, faut que je tombe là. Avec les ennemis. Attendez, je vais me mettre à l'abri quelque part. Ah, ça a l'air d'être ombragé. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Ça ou ça? Ça, ça me plaît bien, ça. Ça, ça me plaît bien. Et celui-là, il a l'air pas mal aussi. Non, je préfère celui-là, je pense. Lui, il fait que 250% de dégâts magiques. Et après, des petites bêtes qui font que 125 chacune. Ouais. On pourrait tester celle-là. On va voir. Je sais pas si j'ai une gemme à mettre dessus. Y a pas un groupe d'ennemis là? Bon, y a toi là. Ce qui m'embête, c'est le soleil. Il faut le lancer en étant quand même au contact, parce que là j'ai perdu un peu de DPS. Ok. Non mais c'est intéressant. Bon allez, je retourne à la base. Alors nous voilà de retour à la base. Moi de mon côté, avoir attendu 2 heures pour pouvoir enfin téléporter le deuxième château. Et donc du coup j'en ai profité pour refarmer encore. Donc... j'ai encore trouvé 2 nouveaux livres. On va aller voir. Tac. Ça. 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 Et je crois que j'ai une bonne nouvelle. Je vais avoir l'équipement complet. Alors déjà, j'ai breuvage augmentant le taux de résistance au feu de 50 pendant 1 heure. Parfait. Et... ouais, cool, j'ai les gants de chasseur de sang. Parfait. Et puis, bah, c'est tout. J'en viens de Tomblier Écarlate. Ah, je l'ai déjà. On peut voir ça. Le Tomblier Écarlate. Ah, cool. Au cas où. Bon, bah, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On va aller voir tout de suite pour téléporter, il fait nuit, pour téléporter la base numéro 2. Faire les gants, et puis on arrêtera là. Alors attendez, c'est où? C'est là. Et on arrêtera là, et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Donc ça va être ici. J'ai donc nettoyé déjà le secteur. Donc, B. Ça. On va construire ça là. My castle requires more blood. On prend cette base.
Donc là, c'est bon. Hop. Et du coup, on va téléporter tout ça. C'est bon. C'est bon. On téléporte ça. Voilà. Ensuite, on va dans les murs. Ah oui, mince. Ça, c'est tout ce que... alors attendez. L'entrée, elle est là. Ok. Il n'y a pas assez de murs. Ouais, je peux mettre une deuxième porte, ça c'est pas un problème, on s'en fout royalement. Ensuite, en production, on avait un brassero qu'on peut mettre là, pourquoi pas. En stockage, on a tout ça en coffre. Ça en coffre aussi. Hop. Là, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. En raffinage, donc on avait ceci. Et ça. Voilà. Et je crois qu'on avait tout. Je crois que j'ai tout remis. Ouais, c'est bon. Donc, on ressort de là. On va là. Déplacer le château. 66 sur 66. C'est bon. Oups, désolé. Et, du coup... on va regarder, et normalement je dois avoir tout, voilà, tout ce que j'ai farmé, tout ce que j'ai pu récolter, c'est là. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Bon, tout n'était pas plein évidemment. Voilà, c'était plein. Il y a plein de petits trucs sympas. Il y a encore un bouquin là. Non, ça, on l'a déjà. Et ça, c'était quoi? Jardinière modeste, étude. On l'avait déjà, ça? Je sais pas. On va aller voir. Et normalement, ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça. Bon, bah voilà. Et voilà le principe, et maintenant, moi de mon côté, toc en forme de loup, je vais pouvoir aller d'une base à l'autre, transférer tout ce que j'ai farmé, et ensuite, une fois que c'est fait, je remettrai le château numéro 2 dans une zone où je vais farmer et je recommencerai après. Je ramènerai tout et je vais tout retransférer. Enfin voilà. Et du coup, bah, les jardinières modestes, impec. Oui, je n'avais pas vu celui-là. Sympa, sympa, sympa. Il y a plein de choses que j'ai appris là. Ça va être, je pense qu'on fera un petit épisode où on fera un petit peu de, on s'occupera un peu du château parce qu'il y a plein de trucs de débloquer. Bref, allez maintenant. On va pouvoir se faire les gants. Donc je crois qu'il faut du fer pour les fabriquer. Genre 4. Voilà. Ensuite, on va les voir. Et une fois que ça sera fait,
techniquement sera pas mal. Non, c'est pas ça. C'est là. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est chasseur de sang. C'est bien ça que j'ai eu. Hein. Chasseur de sang, ouais. Gant de canine creuse. Ok. Fil de coton. Fil de laine. Fil de laine. On fabrique ça. Et après, il va nous falloir quoi? Du cuir épais. Normalement, j'en ai. Voilà, parfait. Ça, je peux le ranger. Ça, je peux le ranger. Ça, c'est bon. Et du coup, ça... ça devrait nous faire passer... on est 61. On est 61, on devrait passer 62. Ouais, ça va être intéressant, ça va être intéressant. C'est bon. Et une réduction de dégâts accrue de 5%. 61. Même pas? J'ai même pas gagné un niveau. De 29.1, je passe à 29.7. Et de 29... et en puissance magique, je suis à 36. Je passe à 29.7. Ok. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. C'est le même nombre de points de vie. Non, mais c'est très bien. Ok. Ok, ok. Et j'avais pas des points de vie en plus. 84 en santé. 84 aussi. Bon, d'accord. Ok. Soit. Bah écoutez, on va arrêter ici. Ok, moi j'ai du transfert à faire. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même laisser un commentaire. Et puis, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bye bye!